Bon, ouais. Alors, attention les yeux. Hop là. Laissez, c'est pas bien. Voilà. Est-ce que ça marche aujourd'hui? Est-ce que ça va marcher? Est-ce que ça va marcher aujourd'hui? Oh, ça marche! Miracle. Miracle, ça marche. Miracle, ça marche. Facebook. Miracle, ça marche. Miracle. Lego, super bien. Miracle, ça marche. Miracle. C'est assez difficile. Hein. Miracle, ça marche. Miracle. Lego, super bien. Ce CP, hop. Non, c'est YouTube, pareil. Lego, super bien. Non, pas biotech. Lego, super bien. Twitch, je peux, ça marche. Voilà, tac. Bon, j'espère que c'est bon. Tac, tac. Là, au moins, on pourra pas dire. Là, au moins, on pourra pas dire que on me. Là, on pourra pas dire qu'au moins que la diffusion ne marche pas. Là, elle fonctionne. Je crois que Harley Hawkins, il a plus tard et taré, je crois. Thank you.
On nous signale un cambriolage chez Wentex. On rapporte des rires et un gaz vert. Ça me fait penser à quelqu'un. Je suis déjà en route pour l'île de Stryker avec notre suspect spécial. Appelez l'inspecteur Bullock, il s'occupera du cambriolage. À vos ordres, chef. À vos Metropolis. Il fait toujours beau à Metropolis. Franchement, il y a vraiment pas de justice. Mais cette ville a aussi son lot de problèmes. Commissaire Gordon. Monsieur, j'avais rendez-vous. Est-ce que tout est prêt? Ouais, pardon. Affirmatif. Merci, offisqué. Bon appétit. À votre service. Un beignet. Oh! Normalement, le département ne fait pas appel à des énergumènes tels que vous. Mais vous êtes le seul expert que l'on connaisse en la matière. J'aimerais avoir votre avis là-dessus. Je dois avouer que je suis un peu dépassé sur ce coup. Le suspect a été appréhendé lors du cambriolage d'un labo. Ce laboratoire appartient à l'un de vos anciens collègues, Monsieur Luthor, le professeur Ivo. Le professeur Ivo? Je ne vois toujours pas en quoi ce cambriolage me concerne. Notre bon professeur et vous collaboriez sur le projet Amazo. L'androïde capable de s'approprier tous les pouvoirs des super-héros. Si notre suspect est doté des mêmes capacités, il pourrait bien devenir une terrible menace. Si vous coopérez et que vous nous dites si le risque est réel, nous pourrions envisager de réduire votre peine de 10 ou 15 ans. Très bien. Voyez-vous, je n'ai que faire des super losers qui sèment la pagaille dans le monde. Où est-ce que tu as acheté ce costume? Il n'est pas très loquace. Commissaire, quelqu'un m'a volé mes beignets et mon uniforme et... Tiens, et voilà! Quoi? Beignets! Bonjour, merci. J'ai bien failli attendre. Fichons le camp d'ici. Oh. C'est le moment de s'éclipser. Suis-nous, le nouveau. Tu es avec l'ex-Luthor à présent, le plus grand criminel qui soit. Vous êtes sûr de votre coup? Dans le pire des cas, le nouveau fera une excellente diversion. Par ici, très cher. Nous serons bientôt sortis de ce triste lieu. Vous semblez oublier les lasers qui nous barrent la route. Relax, Mercy. Les commandes se trouvent à l'étage supérieur. Il nous suffit de trouver un moyen d'y accéder. Ah ouais, à ce point-là qu'il te montre. Je suis pas non plus débile non plus, j'ai pas mal arrangé.
Remarque, non, au début, non, parce que il y en a, comme il y en a certains sur. Comme il y en a certains qui savent même pas jouer Lego, ça pourrait aider. Ça pourrait aider. Il pourrait y avoir comment on fait pour faire un truc. Remarque, je dis non, parce que. Débile, non, parce que c'est pas si big que ça. Justement, c'est bien qu'il te montre. C'est bien, justement. Ah, pour une fois, c'est une bonne idée. Pour une fois. Pour une fois. Pour une fois qu'ils font quelque chose de bien. Bob l'éponge. Pour une fois qu'ils font quelque chose de bien. Pour une fois. Tellement pas souvent quand ils en font un. Quelque chose de bien. Faut quand même réussir. Mais bon, en même temps, comme je dis, hein, faut être à moitié débile pour. Faut être à moitié débile pour pas savoir quoi faire. Ah putain, soleil de mes fesses. Bon bah, moi je sais pas c'est qu'on va y mettre. Ma diffusion, parce que hier on la voyait pas. Donc là on la voit, hein. Donc là c'est un qui me dit je vois pas ta diffusion machin, j'arrive pas Dieu. Bon, alors. Maintenant je partage plus sur Twitter maintenant. Twitter, voilà quoi, ça marche pas. En plus je peux le faire qu'une fois alors que Facebook c'est beaucoup plus facile. Il faudrait que je balance aussi dans les Lego Marvel aussi. Parce que les Lego Marvel aussi, c'est pareil, j'ai refait tous les niveaux un par un. Il me reste pas mal de décassants que les Lego Marvel. Et j'ai vu un truc aussi sur. J'ai vu un truc sur mon téléphone qu'il y a un studio. Je déteste qu'on m'interrompe. Rappelons-leur à qui ils ont affaire. Il y a un studio qui va. Apparemment qui va refaire. Il y a un studio a priori qui va refaire. Qui va refaire un Batman, apparemment. A priori ils vont refaire un Batman. Alors bon, s'ils en font un, ouais c'est bien. Mais bon. Ah non mais. Mais je sais, changer d'avis. Ah. Ah. Ça ne devrait poser aucune difficulté. Ouais, donc j'ai vu sur mon téléphone là, qu'ils allaient refaire, qu'il y a un studio qui va qu'apparemment qu'elle allait refaire un projet, un autre Batman. Alors le problème des Batman, c'est que s'ils en font un, il va falloir qu'il fasse ressusciter Joker, parce que Joker il est mort. Et il va falloir qu'il le fasse au cité ou qu'il rentre dans l'histoire pour que ce soit pour que ce soit un rouge. Parce que moi j'ai fait tous les Batman. Du premier ou enfin bref, j'ai tout fait quoi. S'ils en font un autre, faudrait qu'ils recréent un autre méchant. Sachant qu'il faut savoir un truc sur les Batman, c'est que le méchant principal du Batman, l'ennemi de Batman, c'est Joker. Ça a toujours été Joker.
Donc s'ils font un ennemi, ça serait bah, Joker. Parce que je vois pas qui d'autre pour incarner Joker. Parce qu'il faut savoir que Joker a tué les parents de Bruce Wayne. Il a tué ses parents. Donc il a une. On va dire qu'il a. Il est pas très content. Il est pas très copain avec, Batman, avec Joker, on va dire. Parce qu'il a tué ses parents. Et ça, il y a pas beaucoup de monde qui le savent, ça. Qui le savent, c'est que. Joker a tué les parents à Batman. Enfin, c'est l'histoire. Enfin, on va dire, c'est l'histoire. Je dirais. L'histoire. Je dirais pas de base. Je vais régler ça en un rien. Je dirais pas de base, mais c'est l'histoire. On va dire classique de Batman, quoi. Moi j'ai toujours vu dans tout ce qu'ils ont fait de Batman, aussi bien film au cinéma que les dessins animés à la télé, j'ai toujours entendu dire que Joker avait tué Batman, que Joker avait tué les parents à Bruce Wayne. Et les parents à Bruce Wayne, ils sont morts en allant voir un film au théâtre. Voilà. Non. C'est même pas en allant au théâtre qu'ils sont morts, c'est en sortant du théâtre qu'ils sont morts. Donc ils sont morts en sortant. Ils sont morts du théâtre parce que d'après l'histoire, aussi bien des comics, aussi bien des livres comiques, des dessins animés que tout ça, ils sont morts parce que il est sorti du théâtre. Parce que il avait peur des. Il a eu peur d'un espèce de chauve-souris, quoi. Enfin, il avait peur, quoi. Parce que Bruce Wayne était un peu haut quand il était gamin. Il avait peur. Parce que Bruce avait peur des. Bruce Wayne avait pas de chauve-souris. Et dans le spectacle qu'ils ont été voir au théâtre, il parlait de justement de chauve-souris. Il a eu peur. Et ses parents sont partis du théâtre pour aller dans une ruelle. Mais là, on sourdine, Grundy. Tu fais un bouffon réveiller les morts. Pas mal. Ah, mes anciens partenaires de crime. Content que tu comptes parmi nous, Gina. Grundy. J'espère que t'as un plan solide pour nous faire sortir d'ici, Luthor. C'est qui, ça? Un ami pour Grundy. Excusez-moi, mais est-ce qu'on ne ferait pas mieux de filer? Exact, ma chère. Nous devons activer l'ascenseur pour atteindre notre destination. Et donc les parents sont partis du théâtre et c'est là qu'ils ont croisé Joker. C'est là qu'ils ont croisé Joker. Et que Joker il a tué les parents, quoi. Voilà. C'est pour ça que l'ennemi de Batman, ça a toujours été Joker. Parce que voilà, c'est son ennemi parce qu'il a tué ses parents. Et donc il veut se venger. Voilà. Enfin, venger. Pas tellement se venger, mais bon. Au moins attraper, mais bon, c'est. Mais bon, de toute façon, ça a toujours été ça. Toujours. Pour ceux qui suivent l'histoire de. Pour ceux qui suivent Batman, ils savent bien que l'ennemi de Batman, c'est. Ça a toujours été, ça restera Joker. Ça a toujours été, ça restera Joker.
Ouais. C'est bail aussi, moi j'ai connu l'époque du premier Batman en film. C'était assez vieux. C'est vieux. C'est les Batman des années 70 ou enfin après les gens. La musique c'était Batman. Moi j'ai connu ça moi. Enfin, ils ont pas passé longtemps ces Batman là, mais ils ont quand même passé ces Batman là. C'est bien, c'est Batman. Ça a marché. Allons-y. Est-ce qu'on s'enfonce dans la prison? Je croyais que l'idée de l'évasion, c'était d'en sortir. Ouais, même Grundy, c'est ça. Patience, vous prendrez bientôt. Nous y sommes. Devant vous, dans cette cellule d'isolement, se trouve notre cellule. Batman. Batman. Je suis censé avoir peur de bouffons comme vous. Ce dispositif requiert clairement une capacité supérieure. Bah oui. C'est bien pas ça. L'ami de Grundy fait quoi? Les éclairs, le nouveau les a absorbés. Comment est-ce possible? Acquisition de super pouvoirs, comme le projet Amazon du président. Voyons si on peut faire bon usage de ces nouvelles capacités. La sécurité. Qu'est-ce qu'il y a là-dedans, Luthor? J'aime pas agir sans savoir comme ça. Arrête de te plaindre, Cheetah. Tu verras quand ce sera ouvert. C'était bien cette époque-là des Batman. C'était bien. Ah, maintenant, Batman, tu dirais ça à n'importe qui, il te rigolerait. Ah, Batman, c'est quoi? Pareil pour Lego sur la console, c'est mal vu, hein. C'est mal vu. Et Lego sur la console, c'est très mal vu. Hein. C'est mal vu.
c'est dommage hein, parce que l'ego c'est ouais c'est ah bah c'est sûr que c'est pas Battlefield 5, c'est sûr que c'est pas sûr. C'est sûr que c'est pas Battlefield 5 et c'est pas Call of, c'est pas sûr. Mais bon. C'est pas une raison pour en dire mal quoi. Pas une raison pour en dire mal. Pas une raison. Moi il y a des jeux que je. Moi il y a des jeux que j'aime pas hein, sur la. C'est pas pour autant que. Qu'est-ce qu'il veut. Je sais que c'est pour me dire allez. J'ai des gars, je sais que c'est. Parce salut Gruski. C'est ton blaze en fait. C'est ça qui est bien. Ça va VV, ciao. Je te préviens, je diffuse là. Hein. Faut pas que tu sois. Ouais. Oui, mais je sais, je suis avec toi, t'inquiète frère. Parce que nous aussi on diffusait. Comme je te voyais, on était en train de parler de Lego. Et il est. Joe Code, là, mon pote. Bah, d'ailleurs, je te présente VV, un très bon pote, quelqu'un que j'aime bien. J'apprécie parce qu'il diffuse, en fait, il diffuse pas mal. Et attends, je vais regarde, comment on peut faire. Prends pas trop de gants. Hein. Prends pas trop de gants. De quoi? Prends pas trop de gants. De quoi tu dis? Tu dis, prends pas trop de gants. Rien à voir, je suis pas en train de te brosser les chaussures, arrête tes conneries. Ah. Je sais, je suis pas comme ça, je suis pas un faux cul plutôt. Ouais, donc la question, je vais répondre à une question, s'il te plaît. Comment, c'est pas la question, attends, je me reprends. Est-ce qu'il est jouable en coopération mais en ligne, celui-là, ou alors les autres Lego, tu sais, alors, Jones, par exemple. Je pense que, alors je pense, c'est que tu peux, enfin oui, mais tu peux, mais c'est pas en ligne. Ah. En local. Une deuxième question. Est-ce que un de c'est en local quoi. Non. J'allais dire oui mais tu pourras quand même m'aider même tu sais je suis sur une diffusion si tu peux m'aider tu sais parce qu'en fait je galère. Attends, t'es en train de me dire que tu vas toi aussi t'y mettre au Lego? C'est une blague. C'est pas que je vais m'y mettre, c'est que j'ai testé là il y avait 15 jours, je l'avais téléchargé et j'ai trouvé ça bien parce que je sais pas, je trouve que graphiquement il est magnifique en fait. Ah. Ouais, t'es au courant que les Lego. Non mais attends Grizzly, t'es au courant que les Lego. Enfin moi les Lego que moi je joue hein, ouais. C'est. Moi j'ai joué à tous les Lego hein, je... ouais. Donc aucun Lego. Donc il n'y a aucun Lego qui... que je jouais pas. Mais... Ce que je veux dire, c'est que les Lego. Non mais attends, c'est pas vrai. C'est que les Lego, faut quand même avoir un minimum de. Là-haut, tu vois. Parce que tout le monde dit, ouais, c'est pour les gamins, oui, c'est etc. Mais non. Oui, moi non, je peux dire que moi j'y joue, moi je peux te dire... Non mais attends. Je fais ma propre analyse aussi. Attends Grizzly. Moi je peux dire que moi j'y joue au Lego, moi je peux dire que depuis que les Lego... Depuis le premier Lego que j'y joue, depuis le premier. Sachant que le premier qu'ils ont fait sur la console, c'est, je crois, si je me raconte pas bêtise, je crois que c'est Indiana Jones 1. Indiana Jones qu'ils ont fait. Ils ont voulu en faire un. Bon, moi au début quand j'avais vu ça dans les magasins, je dis oula qu'est-ce qu'ils vont se lancer dans l'ego. Moi aussi au début je dis oula ils font ça parce que c'est pour essayer. La première fois que j'y ai joué, moi je te cache pas que j'ai comprenais rien, qu'est-ce que ça. Et en fait de compte, à force de jouer etc, à force d'en faire 1, 2, 3, 4, enfin bref tous les Lego. Enfin, tu comprends. Mais, parce qu'il y a un mais, c'est pas marrant. Mais le problème des Lego, c'est que bon, moi, j'ai tendance à pas abandonner parce que quand je sais que je peux y arriver, puis que qu'il y a une logique là-dedans. Ça, j'ai remarqué. Parce que les Lego, c'est très logique, hein. Parce que les Lego, c'est très logique, hein. Si t'as aucune logique, c'est même pas la peine, hein. Les Lego, c'est très logique. Moi je suis un. C'est bien de rien lâcher.
Mais de voir, que, comme tu dis, s'il y a une faille, que le jeu en vaut vraiment la peine, c'est ça que tu es en train de dire en fait. Ah oui, moi je sais, moi. Tu te dis, je vais me prendre la tête, je vais aller au bout. Une fois, je te mens pas, une fois t'étais bon, c'était avant qu'on se connaisse. C'était avant qu'on se connaisse. Une fois, j'ai passé. Je te mens pas, Grisifou. J'ai passé 2h30. Personne l'aurait fait, hein, personne. Moi je l'ai fait 2h30. Putain, 2h. 2h30 à faire, 2h30 à faire une énigme. Sur Soul Shooter. 2h30 à faire une énigme, 2h30. T'en as qui sont passés. Attends, tu en as qui sont passés sur mon live, hein, pendant que je me torture la tête. Tu en as, ils sont passés sur mon live. Hein. Il y a même un mec qui a écrit à un moment donné, il m'a dit je te dérange pas parce que je te vois, t'es à fond dedans. 2h30 que j'ai réussi à résoudre, 2h30. Et moi pareil, il y a des fois je peux même pas diffuser ou je 2h30. Je suis obligé d'arrêter la diffusion pour. Ah non mais. Une fois aussi, c'était sur Juste Cause 3. Hein? Ton spectateur, tu as vu quoi? Quoi? Oh, tu as un spectateur, il t'a balancé 10 000 là. 10 000 quoi? Regarde, il t'a balancé 10 000 en récompense là. Sur le mixeur là, je te dis, regarde. Ah, je vois rien moi. Je vois rien, moi, sur mon chat. Sur mon chat, moi, je vois rien. Non, mais ce que je veux dire, Gazi. Par exemple, tiens, sur Juste Cause 4, par exemple. Par exemple. Sur Juste Cause 4, dans 3. Bah, tu peux demander à ma mère. Hein, Grisifou, tu peux demander à ma mère. J'ai passé une journée entière. Et encore, à l'époque, je diffusais pas. J'ai passé une journée entière, du matin, que j'ai commencé à jouer, jusqu'au soir. Et j'ai rien à chier. Jusqu'au soir. Et pourtant, ça m'a énervé. J'espère que ça m'a. C'était un truc de avec qui est encore sur le cas parce que hier j'ai joué aussi à Juste Cause 4, que d'ailleurs bon hier il y a eu un problème sur le mixeur, bon c'est comme d'hab, j'ai envie de dire, on voyait pas ma diffusion. Et donc sur Juste Cause 3 il y avait un truc avec le parachute, tu sais, où tu ouvres ton parachute puis tu fais les, c'est comme ils font en ce moment, c'est en vrai, c'est tu es sur le malade, ils ont un parachute sur eux. Il lâche le parachute puis il vole. C'est un truc, je sais plus comment ça s'appelle. Et donc sur Juste Cause 3, t'avais ça. Ah oui, t'avais ses bras comme ça, tu vois. Un windshoot là. Oui, voilà. Alors ça le windshoot sur le 3. Ouais, putain. Ça, c'est énorme. J'avais fait une épreuve, j'avais démarré de tout là-haut sur la montagne. Une journée entière, j'ai fait une journée entière. Quand j'ai réussi enfin à faire le truc. Pour avoir tous les engrenages. Quand j'ai réussi à le faire, j'ai enfin réussi. Il était 9h du soir quand j'ai réussi. 9h du soir. Et j'ai rien lâché. Rien. Ouais, je crois que je vais abandonner là, ça me casse les pieds, ce truc de. Il n'y a personne là, on me regarde, mais est-ce qu'il y a des Français qui me regardent là, s'il vous plaît? Essayez de réagir. Je comprends pas là. Je tout ce qu'il faut dans mon inventaire pour réparer et tout. Voilà, je bug sur ce truc de plus qu'un à faire de MERDE quoi. Attends, tu joues à quoi dedans. Attends, je sais pas à quoi je joue. Attends, excuse-moi de te dire ça, c'est un peu con. Non, c'est vrai, ça fait rire, mais. Attends, parce que je teste. Comment c'est un peu con, ouais, je t'ai entendu hein, là, vite. T'es sur The Book of Unwritten quelque chose. Ah ça voilà. Ah ça, The Book machin, ah oui. Mais je crois pas. J'aime bien, moi, les petits jeux comme ça. Oui, mais si tu. Oui, mais attends, Grisy, si tu. Laisse tomber, je reviendrai plus tard. Si tu commences déjà à te torturer la tête sur le jeu que tu es en train de jouer, tu crois pas que tu vas te torturer la tête sur l'écho aussi? Parce que, une fois j'en ai vu une, une fille, non. Elle se torturait la tête sur un niveau, hein, un seul. Hein, sur un seul. Hein. Elle faisait Lego Star Wars, tu sais, la trilogie. Et la fille, elle galérait sur un niveau, un seul. Moi, je l'ai regardé jouer sur mon. Je l'ai regardé parce qu'à l'époque, j'avais pas la PlayStation portable et tout. Je te vois jouer là, je te vois avec les bonhommes et tout, c'est hyper bien fait là, tu vois. C'est. Je suis encore bien sûr. Tu sais, les. Attends, je peux mettre le grand écran là. Ah oui, attends.
Attends, je... Ah ouais, putain, ouais, on voit 10 fois mieux, là. Oh là, qu'est-ce que c'est que ça? Oh putain, c'est plus que ça. Excusez-moi, cher spectateur. Tu vois, je déteste ça. C'est qui me regarde. Attends, j'espère que ça va être comme l'autre. Oh les gars. Comme on est, ce gars-là avec moi. Il faut se soutenir. Mais, ah putain, tu as un jetpack et toi avec celui-là. Vas-y, remets ton jetpack, là. Ouais, attends, pour l'instant, je suis en train de faire un puzzle, là. Tu vois, tu vois pas? Non, peut-être. Oh ouais, je vois, mais oui, je vois. Il y a un petit décalage, tu sais. Oui, non mais je sais, c'est l'écalage aussi. Ah, d'accord. En fait, tu vois ce qui est bien sur ce jeu-là? En fait, tu vois ce qui est bien sur ce jeu-là? C'est que quand tu veux pas te torturer la tête, t'attends, et le jeu te montre. C'est bien, ouais. Ah, d'accord, ouais. Le jeu, il te montre. Et comme j'aime pas ce jeu-là, parce que généralement, je me torture toujours la tête. Pourquoi? Bah, il te montre. Voilà. Mais donne-moi un jeu qui est gratuit en ligne, enfin gratuit, tu sais, qui est accessible sur le Game Pass par exemple, ou je sais pas. Non, il n'y a pas un jeu. J'en sais rien. Sea of Thieves, bah tu joues déjà Sea of Thieves. Il est gratuit. Ouais, mais attends, au poteau, tu sais pas quoi. Va faire un saut, je sais pas si ta vie vient d'ajouter Strange Brigade pour que le jeu vous l'achetez. Oui, je l'ai téléchargé. Ah ouais, j'ai téléchargé moi. Alors, qu'est-ce que t'en penses? T'as fait... Ah, j'en sais rien, j'ai pas... Tu vas tester. Ah non, pas encore, pas encore. Ah non, pas encore. Attends, j'ai ça à faire, j'ai encore le truc des Harry Potter, que j'ai acheté hier. Attends, Ouais, bah oui, moi aussi, je sais. Chaque chose en son temps, hein. Je sais plus. Là. Je peux pas recommencer. Mais, Jocode, prends-toi le... Ouais. Franchement, des enfin, toi tu peux pas. Tu as pas une offre là, il y a une offre. Sur le Game Pass, regarde sur le mois. Là. Ouais. Non mais moi j'ai envie de prendre. C'est le jeu dont je te parlais hier. Subnautica. Ah oui, qui était sur le jeu. Qui se passe sous l'eau et tout ça. L'acting ring, qu'est-ce que c'est? Ouais, c'est le shooter, je sais pas si j'ai. Je sais pas si j'ai eu. Nautica. Sub, je sais pas si j'ai déjà eu ça. Mais tu sais que les Lego, Grizzly, tu sais que les Lego, hein, Grizzly, tu sais que les Lego, que ça plaît aux gamins, Lego. Que les Lego, il y a certains gamins, moi une fois j'ai vu un gamin qui m'a regardé jouer sur un Lego, je sais plus lequel, et il m'a dit comme je te dis là, il m'a dit. Attends, ils sont lâchés certains. Tu n'as pas des chansons. Il m'a dit qu'il était content de voir mes diffusions parce qu'il aime bien les gauchons. Il aime bien. Mais je regarde celui-là. Ne serait-ce que la bande annonce. C'est pas mal. Je suis déçu, frérot. Pas cette fois, Superman. Celui-là, il est gratuit, ne l'achète pas. Il est gratuit sur le Game Pass. Ah, il est gratuit. Justement. Oui, tu vois. Le Game Pass, je te dis, c'est un truc de malade. Son cœur de cryptonite. Il est gratuit, mais je sais pas si c'est le 1 ou le 2 qui était gratuit. Dans les cas, moi, j'ai déjà testé. Ah, il y en a qu'un seul. Ah bon? Eh ben, il est gratuit alors. Il est gratuit, frère. Je vais t'envoyer, tu vas me faire un peu, c'est quoi? Allez, quittons ce rocher. Ah ben non, il n'est pas gratuit, sinon il aura un fichier. Ah non, et qui va m'arrêter? Non, je te dis, il y a le 1, on peut le juger. Attends, c'est bizarre. Non, c'est peut-être un jeu, tu perds. Ah non. C'est le même délire avec des palmes, plutôt tu bouges, t'interagis avec des trucs et des machins. Je vais rêver, putain, je te jure. Bon, je vais aller sur mon truc. Il a dit que j'avais un truc urgent à faire. Oh mais regarde les cinématiques, frère. Est-ce que tu regardes sa diffusion? Ah, vas-y. C'est énorme, les cinématiques. C'est même mieux que certains jeux là de FPS. C'est abusé. En provenance directe de Wentei. Oh, regarde. Parce que j'ai eu moi. Mais il y a que Joker dans le petit jeu. On va tellement au loser. Trop honnête pour votre. Regarde, yeah. C'est ce qui dérange, c'est qui? Je ne le vois pas. Mais c'est what the fuck ça, si c'est le mec, mais c'est bon ça. Oh, pas maintenant, choupette, je suis occupé. Tiens, prends ça. Ah, franchement, je suis scotché. Lui, il rigole, il se fout de ma gueule, c'est genre il rigole. Ah non, pas du tout. Pas du tout, c'est alors, pas du tout. Ben ouais, non, mais t'as raison. Et si on s'en fait dans l'hélico? Non, mais je kiffe ça, moi. Je kiffe, c'est magnifiquement bien fait. Regardez le aussi. Celui-là est magnifique, oui. Celui-là, je savais qu'il est bien sûr. Bah, le Lego Marvel aussi, avec aussi. Hein. Le Lego Marvel aussi, parce que c'est dans le même. Le Lego Marvel, c'est dans le même truc. Et c'est pareil, hein, c'est bien fait aussi. Hein. C'est même plus marrant. C'est des passages marrants. C'est des passages marrants dans Lego Marvel. Lego Marvel.
Ah, c'est... Ah, ouais, c'est... Les... c'est Marvel, donc c'est tous les personnages de Marvel. Donc t'as tout, t'as Batman, je crois, t'as Superman, c'est ceux t'as... Qui créent aussi, et... T'as quoi encore, t'as... Enfin non, 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 parce que... Non, non, ce que je te raconte, Non, je te raconte, parce que dans Marvel, c'est... Enfin, c'est tous les héros Marvel, t'as comment on appelle ça... Comment on appelle... Ah, merde, Ah, putain, comment on appelle ça... Ah, comment ça s'appelle le mec qui vole, Iron Man. Iron Man, t'as tous les personnages, de Marvel. D'accord. T'as tous les personnages. Oui, quand tu l'as acheté, non, tu l'avais déjà. Ouais, je l'ai acheté. Non, je l'ai acheté. Ah bon. Et parce que j'ai vu sur le gueule des. Il y en avait des beaux, franchement, des beaux Marvel. Si tu veux essayer des. Si tu veux essayer un Lego. Si tu veux essayer un Lego gratuit. Hein. Si tu veux essayer un Lego gratuit pour te faire une idée, de comment il, de, si je te plaît, si je peux te plaire. Je peux parler au papier. Je crois, si je te raconte pas de bêtises, je crois que tu peux faire un Lego. Attends, c'est quoi ce Lego? Enfin, je crois qu'il y a deux Lego qui sont gratuits dans le Game Pass, il me semble. Oui, oui. Il y en a un que je trouve très bien, mais je galère un peu. C'est quoi? Il y a un passage où je galère, il faut libérer la fille, là, apparemment, c'est ta partenaire de... Ta partenaire de jeu, tu sais, pour... Ouais. C'est ta fiancée, mais je sais pas, il faut la délivrer, elle est enchaînée, et il y a 2-3 monstres autour. Et moi, j'arrive pas à interagir avec les... Avec les chaînes, bien sûr, j'ai à me balancer, à aller d'un pilier à un autre, grimper pour je sais pas quoi. Mais il faut tuer les monstres et je ne sais pas comment leur infliger des dégâts. Je sais pas, j'arrive pas à leur infliger des dégâts. Ils me lâchent pas en fait, ils me bouffent à chaque fois. Ces faudrait que je voie lequel Lego tu parles et surtout de l'endroit que tu me dis parce que tiens. Parce que là, je sais pas. Je sais pas. Parce que j'ai joué à tous les Lego, mais voilà. Ouais, non, mais je sais. Alors attends, je vais tout simplement. C'est chaque Lego est différent. Hein. J'ai même joué à Pirates. Enfin, j'ai joué à tous les Lego, hein. Pirates des Caraïbes, Harry Potter que je vais essayer tout à l'heure. Harry Potter, enfin. Tu vois, regarde, j'ai un groupe que j'ai créé. C'est que de 360. C'est jeu rétro top 360. Il n'y en a aucun que je connais pas. Local ou en ligne. J'ai Alien Owning HD. Alors, tu connais, mais c'est de la tuerie en 2D. Alors, moi, j'aime bien les petits jeux d'Alien, pas mal en 2D comme ça. Il y a plein de petits jeux que je vous conseille. Ouais. C'est comme Shield of Light. Ça, c'est une distorsion. Bon, après, c'est un jeu, c'est un peu spécial. Quand il y a les combats, du moins. Mais après, sur les gameplays... Et alors, c'est Star Wars que j'ai. Apparemment, la saga complète. Ouais. Star Wars, le gratuit et l'autre, le 3 en fait. Dans les Lego aussi, moi, au début, j'avais un petit peu pas compris. Au début, les Lego, mais si j'avais beaucoup de mal à comprendre au début, la première fois que j'y jouais. En fait, t'as les Lego qui sautent. Alors, ceux qui sont de haut, mais vraiment plus haut que les. C'est les filles. Alors pourquoi les filles ceux qui sautent haut, qui sautent plus haut, qui font les doubles sauts, c'est les filles. Tous les personnages filles, dans les Lego, généralement, toutes les Lego filles, elles sautent plus haut, quoi. Plus haut que les mecs. Alors même pas pourquoi. Enfin. Bah parce qu'elles sont plus légères, en fait. Bonjour, ça va peut-être. Toujours est-il que sur les Lego, c'est que les personnages filles. Qui peut courir quoi. Les mecs non. Les filles oui, pas les mecs. C'est pareil aussi dans les petits trous. Parce que des fois t'as des Lego, tu vois les trous, tu vois des trous, tu te dis ah, mais qu'est-ce qui passe là. En fait c'est les personnages qui sont petits. C'est pareil, c'est pas évident parce que quand tu joues par exemple. J'ai joué aussi. Par contre tu vois j'ai bien les Lego. Mais j'aime pas tous les Lego par contre. J'aime pas tous les Lego. Parce qu'ils en ont fait un Lego, c'était sur Star Wars. Et celui-là, j'ai pas aimé. J'y joue, mais j'ai pas aimé. J'ai pas aimé.
Il y avait aussi un autre Lego, c'était le Lego par rapport au film là qui a été faussé. Seigneur des Anneaux. Seigneur des Anneaux, je crois qu'ils ont fait deux. Ils ont fait deux Lego. Et il y en a un, j'ai pas dû aimer. J'ai pas du tout accroché. J'ai pas aimé. Et pareil dans le Seigneur des Anneaux. Dans le Seigneur des Anneaux, c'est pareil. Dans le jeu du Seigneur des Anneaux, quand tu vois à un moment donné, t'as des petits passages secrets. Et en fait, les seuls qui peuvent utiliser ces passages secrets, c'est les. Dans les films, tu sais, dans le film, t'as des espèces de nains. Je sais plus comment ça s'appelle dans le film. Quel film? Dans le Seigneur des Anneaux. Ah, dans le Seigneur des Anneaux. Je crois que c'est les. Je sais plus dans le film. Même dans Harry Potter. Même dans Harry Potter, t'as aussi des personnages qui sont petits. Les magiciens là, c'est pas dans le silence des. Comment tu as dit? Le Seigneur. Seigneur des Anneaux. Non. Ah, le Seigneur des Anneaux et le silence des Anneaux. Non, c'est le Seigneur des Anneaux. Seigneur des Anneaux. Oh là là, mais je confonds avec ces deux trucs à chaque fois. Il est où Gandalf là, le magicien avec le. Eh mais ça, c'est ça, c'est Gandalf, c'est ça. Gandalf. Gandalf, je crois que c'est dans le Seigneur des Anneaux. Gandalf. Et ça, c'est dans le Seigneur des Anneaux. T'as Gandalf, t'as aussi l'espèce de lâcheté là. Espèce de pas beau là. Regarde à ta droite, il y a Wikipol à ta droite. Hein? Wikipol? Hélicoptère? Non mais regarde, Vivi. Oui, quoi? À ta droite. Oui, le petit hélicoptère. Mais bah attends. Mais non, mais à la droite. Réelle plutôt. Regarde à ta droite. Personnage, c'est le petit personnage, bah oui, le petit hélicoptère. Monsieur, moi je le vois pas parce que le dernier vol, il fait le tour là. Ah oui, ça. Bah si, comme on est en décalé, des fois je comprends pas trop ce que tu dis. Non, tiens. Je te parlais, regarde, il y a ton petit. Ton chien qui s'est mis à côté de toi. Ah, mon chien! Ah, ma chienne! Ah, d'accord, oui, oula! Ah, ma chienne! Ouf, d'accord, ok. C'est un truc, on dirait un jack. Non, c'est pas un jack. Pardon, tu as déjà vu un jack? Tu as déjà vu un jack? Oui, non, ça va, je te vois arriver là. Je sais pas ce que tu veux. Non, mais tu as déjà vu un. Non, mais sincèrement, Grizzly, tu as déjà vu un jack? Un jack Russell? Bien sûr. T'es sûr? T'es sûr? Regarde. Non, parce que ma chaîne, c'est pas un jack. Hein. J'ai bien un jack. Hein. Non, j'ai bien un jack. Hein. Ah bon? J'ai bien un jack pourtant, hein, mais. Attends. Naya? Je sais pas, ça va rien. Naya? Non, regarde pas. Par contre, c'est une. Attends, c'est une. Son père, c'est une. Attends. Son père, c'est un. Attends, c'est pas un jack Russell. Ah oui, c'est un chien. Bah oui, ça c'est sûr, ça c'est un chien. C'est, oui. Son père, c'est un. Oh, je sais plus. Bah. Elle est croisée de plusieurs races de chiens. Elle est croisée. Enfin, c'est une croisée quoi. Ah bah oui. Épagnol. Alors, entre un épagnol et un Jack Russell. Breton. Alors, entre un épagnol breton et un Jack Russell. Bah oui. Au niveau de la taille, voilà, hein. Et quand même, pas mal, quand même. Bon, alors. Alors, tout le monde. Il y a un jeu que je vous conseille, moi, franchement, les gars, Nostalgie. Sonic et Knuckles et Sega Vintage Collection Monstre. Ah, mais celui-là, je l'ai en vrai sur Sonic. Un méga drive, celui-là. Non, mais attention, il est monstrueux, hein. Je l'ai testé, tu sais, ça m'a pas. Apparemment. Ça marche apparemment. Surtout VV, oui. Il est de ma génération. Oui. Acheté, toi, déjà, 37. Joe Club, toi. Non, mais prends-toi VV, Joe. Ah, ben voilà. Oh, bah, il est de ma génération. Ouais, il est pas loin. Hein. C'est cool. Tu sais que j'ai joué aussi à Sonic. J'ai joué aussi à Sonic sur Xbox. Franchement. Oui, mais voilà. Franchement, t'as vu, c'est le même que l'époque. J'étais heureux de jouer à ce jeu. De revoir les graphismes. Je sais pas, j'ai replongé 30 ans en arrière. C'est bizarre, ça m'a évoqué des souvenirs vraiment sympathiques.
Autant jouer le soir avec la console, je sais pas quoi, la console portable. La game couleur là. Moi j'ai joué à GameCube. La Game Gear. Comment s'appelait ça, la console portable Game Gear. T'es qui toi? Couleur, écran couleur. Je suis Ultraman. Et voici mes amis, le syndicat des justiciers. Ça fait comme ça les gars. Superwoman, Grid, Johnny Quick. Power Ring et le roi des mecs. C'est pas la Game Gear ou la... Game Gear. La Game Gear, c'est la portable couleur de... Si c'est la portable, c'est Game Gear. Voilà, comme la Switch maintenant, les gars. On sait pas quoi, ils ont rien inventé en fait. Franchement, les consoles portables, qu'est-ce qu'ils ont inventé? Ils ont rien inventé, hein. La Game Gear à l'époque, elle était quand même... La Game Gear quand même, parce que moi je l'ai eu la Game Gear. Enfin c'est mon cousin qui l'a eu, mais et des fois il me l'a prêté. La Game Gear quand même. Pour l'époque. Oui, pour l'époque. À la Game Gear, quand tu compares la Game Gear à ce que moi j'avais aussi pour la Game Boy, parce que moi j'ai eu la Game Boy couleur, la Game Boy noir et blanc, la Game Boy Advance. Ah t'as eu la couleur toi. Ah oui, non, moi je suis. Voilà. Et donc j'ai eu toutes les Game Boy, hein, pareil. Les Game Boy, excuse-moi, mais en comparaison, quand tu comparais la Game Boy à la Game Gear, moi j'ai mon cousin, il avait des jeux sur la. Il avait des jeux sur la Game Gear. Quand je voyais ces jeux comparé à ce que moi j'avais, je me disais, wow. T'en avais des fois qui étaient quand même mieux sur la Game Gear de base. Game Gear que la Game Boy. Hein. La Game Gear était plus puissante. Plus puissante, déjà, c'était un processeur 8 bits la Game Gear. Alors que la Game Boy, c'était un processeur 4 bits. Et voilà, en plus. Oui, bon, ça, d'accord, entre Game Boy et Game Gear. Le Joker est en train de filer. Bon. Une après, à côté de ça, on va pas comparer la puissance des deux parce que c'est un peu l'opposé. Mais il y avait quand même la possibilité de la top locale. Vous pouvez connecter un câble, je sais pas si vous vous rappelez mon câble. C'était du local, mais c'était un mode en ligne, mais local en fait. Il n'y avait pas internet, donc les joueurs pouvaient jouer. T'es changé tes Pokémon comme ça quoi. Voilà, maintenant internet, tu peux jouer avec n'importe qui, n'importe où. Si, attendez-moi. Bienvenue en 2018, 2019, c'est bientôt la Peuple de Terre 1. Donc enfin, moi je laisse installer les jeux, je vais aller sur soi, regarder d'où, continuer, on est super fort. Spelunky. La Ligue des Justiciers. Ah, Spelunky, c'est énorme ça. Ah bon? Alors attends. Mais putain, moi je l'ai. Ah oui, moi je l'ai reçu. Comment tu l'as fini? J'ai battu le mec. Assez de télé. J'ai pas battu. Le mec, spoil, vas-y. Le boss. Mais monsieur, j'ai pas battu le boss, mais j'ai battu ce boss. Non, mais c'est le mec, c'est juste le nom du boss, c'est tout, c'est le mec. Voilà, donc ça a battu le boss. Je te prouverai. Ça, de toute façon, était dit au début qui sait. Mais bon courage, parce que c'est chaud. Non, mais moi, attends, c'est énorme. Les lianes, les choses, les machins, je trouve qu'il est super bien fait comme un jeu comme ça. Ah bon? Ah ouais, j'ai plein de petits jeux comme ça au poteau. Cherche des speedruns de ce jeu, c'est incroyable. T'as des mecs qui Ah d'accord, carrément. Ouais. T'as des mecs qui ont joué en 2 minutes quoi. Ça serait génial pour le tourner. Ah, tu peux le finir en 10 minutes pour de bon. Bah ouais, non, bah en speedrun. Laisse parler ta créativité. Il y a plein de 10 minutes, c'est un peu choquant quoi. Voilà quoi, parce que je crois qu'il est jouable en coop. Alors attends. Il est jouable en coop, mais je crois que c'est en ligne. Non. Ah, quand même. Non, il est en multi, je crois plutôt. C'est même sûr. Enfin, à 80%. Il y a 200 personnages sur mon jeu, sur mon truc là. Il y a 200 personnages, il y a 105 briques de trucs à trouver, il y a 204. Il y a 204 briques. Il y a 204 briques rouges, en or. Aussi quand même, 204 c'est énorme. Et 204 204, c'est peut-être pas énorme parce qu'il y en a peut-être plus sur. Non mais les briques rouges, ça signifie quand tu dis, regarde, 20 briques rouges, c'est quoi les briques? En fait, les briques, c'est ce qui te permet d'avoir les.
comme des défis, des récompenses, des points de légende. Non, en fait, les briques, en fait, les briques, c'est pour te, pour t'aider, par exemple, si tu veux, par exemple, doubler tes, doubler tes CR, ce qui peut t'aider, ouais. Parce que quand tu veux refaire les, jeux à 100%, il y a des Lego, par exemple, ça peut monter jusqu'à. Attends, Vivi, s'il te plaît, deux petites secondes. Qu'est-ce que tu fais? Tu te barres là, tu as des trucs à faire. Ouais, ouais, je quitte là. Je reviendrai peut-être plus tard dans la soirée, mais. Ouais. Ah, t'as souviens ou quoi? Non. Mais non, j'ai des trucs à faire. Allez. Oh, jette un œil sur le Game Pass, Poké, si tu arrives à prendre. Ouais, je vais juste garder, il est gratos. Hey, patron, et comme ça, on joue avec Vivi et tout, on fait un autre joueur. Mais c'est un jeu, poteau. Ça va nous plaire, je le sais, parce que c'est Indiana Jones. Il y a plein de pièges, d'énigmes, des trucs à aventure. Ouais. Moi, je vous conseille, j'attends qu'il finisse. Moi, là, quand j'aurai fini. Moi, quand j'aurai fini mon Lego, là, quand j'aurai fini ce bit. Allez, ciao. Quand je ferai. Bon, là, je vais encore faire. Bon là j'ai encore fait ce niveau là et puis après je vais aller sur comment on appelle ça Harry Potter. Ah non Battlefield non. Combien de jeux toi? Oula j'en ai. Non moi là, je suis sur un passage tu sais quoi dans Battlefield le 4 hein. Moi je trouve qu'il était bien fait hein. Franchement il est énorme bon. Et ah tu l'avais en ami, tu l'as ajouté en ami non? Non qui quoi? Ah là mais je dis pas qu'il est pas sympa hein. Je dis pas club et tout. Non mais je sais, je te dis tu devrais l'ajouter comme toi quand tu me dis c'est quelqu'un de bien, ce jeune, je sais pas. Donc Strange Big Brigand, déjà je l'ajoute à l'accueil, direct. Au poteau, j'ai un bug. Eh oui, il faut que je relance, que je mette pause ou je sais pas quoi. Mettre en pause et reprendre. Nulé. Ouais, j'ai le signe. Bug. Il d'attente. Voilà. Celui-là, combien il pèse? Mutant Year Zero. Year Zero. 6 gigas même pas, c'est un jeu sur One et il a l'air monstrueux. Road to Eden. Putain, je sais pas quoi. Écoute, moi je vais sur les jeux de Lego. Je vais tester un jeu, me prendre la tête. Je vais voir. Au pire, j'aime pas aller en fait sur YouTube et me faire aider par YouTube, j'aime bien. De moi-même et tout après bon. Si ça fait une semaine que je suis sur un passage et que je vois que parce que des fois c'est con en fait hein. C'est les développeurs hein, que même pas toi l'abruti c'est eux hein. Des fois c'est un truc à la con et tu passes un mois dessus. Je sais pas si ça passe. Ouais, tu vois j'ai un bug d'installation c'est con. On va sortir le jeu quoi. Est-ce qu'il est disponible? D.A. Enfin. Donc j'en ai installé des jeux de trucs. Toi, Fortnite, tu joues un peu, non? T'as l'air de maîtriser, j'ai l'impression. Un petit peu, bon. En plus. Dis-moi, je voulais te demander une question. Une fois que tu as inséré le code. C'était pour diffuser. Par exemple, je sais pas, de YouTube ou peu importe, tu peux demander un code de confirmation. Pour que sur la console, tu peux utiliser une application ou peu importe. Par exemple, comme Twitch ou. Pour diffuser depuis YouTube, faut que tu ailles dans connexion directe dans ton. Mais bon, faut que tu passes par. Non, c'est Twitch. Twitch. Oui. Sur Twitch, en fait. Est-ce que ça. Parce que j'ai créé mon compte, en fait, si tu veux. Bon, j'ai un compte Twitter, Twitch, oui. Facebook et tout le bordel, oui. Mais c'est sur Twitch pour pouvoir associer. Voilà quoi. Parce qu'il me demande de taper un code. Par exemple, là, je vais sur Twitch. Voilà. Je te dis ça. Je lance l'application. Il me demande d'aller sur HTTP Activate et tout. Tu sais comment c'est. Ouais.
Et donc j'active, mais voilà quoi. Bah faut que tu actives sur ton main. Caméra, Ah oui, attends, je vois ce que tu veux dire. En fait, il va t'envoyer un papier. En fait, il va t'envoyer un mail, mais ça va pas être dans ton... ça va pas être dans tes courriers principaux. Ah, mais non, pas pourquoi ça. Ils vont le mettre dans ton courrier indésirable. De tout. Non, indésirable. Ah, d'accord. Oui, comme dans... Ah oui, non, mais c'est voilà. Vrai, dans un spam, oui, des fois ça arrive ça. Et en fait, il te le met dans le courrier indésirable. D'accord, d'accord. Eh bien, tu fais bien de me le dire. Voilà. Et en fait, il le met dans le courrier indésirable. Parce que moi, quand j'ai voulu changer mon... gamma tag sur Twitch, j'ai voulu changer comme ça pour... J'ai voulu mettre vieux sage calme. Sur mon truc, bah, et puis même avant ça m'avait mis, avant ça m'avait mis un truc comme quoi il fallait que je valide mon compte sur le truc, et donc je l'ai fait, et à chaque fois il me dit ça, donc j'ai cliqué sur le lien, donc ils m'ont envoyé un lien, et donc je suis allé dans les courriers indésirables, là j'ai cliqué dessus et là ça m'a mis que je pouvais faire ce que je voulais quoi. Voilà. Par contre diffuser dans le, pour diffuser ça m'a pas dit pour diffuser moi ça m'a pas dit que j'étais obligé de j'étais obligé de valider mon adresse mail sur mon adresse mail sur non, ils m'ont envoyé ça, ils m'ont dit regarde voilà je pouvais très bien diffuser sans voilà. C'est vraiment pas juste. Moi par exemple je suis en truc là. Attends, j'enlève ma boîte de chat parce que je vois que dalle sur l'écran. Ça aussi, c'est bien. Voilà. Hop. Donc. Ouais, merci en tout cas, Bébé, hein, c'est sûr. Bah, ça, comme je débute, moi, sur ce sur Twitch, en fait. Hein, clairement, bon, je peux... Y'a pas de quoi. Par contre, aussi un truc. Par contre, il y a un truc aussi qu'il faut que tu saches aussi. C'est que sur sur Twitch. Sur Twitch. Ah, faut savoir une chose aussi sur Twitch. C'est que ta connexion. Je sais pas ce que t'as comme connexion. Je sais pas si t'as la fibre. Je sais pas si t'es comme moi. Bref. Oui, non, fibre oui, mais je suis sous Windows 7 et j'ai l'impression qu'il y a des applications qui ne sont pas compatibles avec. Ouais, voilà. Donc, aïe. Pas compatibles avec mon truc, même si je prends l'extension de Google Chrome sur le Play Store ou je fais quoi. Ah ouais, mais là, Windows 7, là, Windows 7. Ça sert à rien. Bon, plus qu'à aller trouver la bande de malfaisants qui va nous assister de notre mission. Update, tu sais, la Windows Update. Voilà, ça c'est là que tu gères tes extensions de Chrome et tout et tout. Mais ça change rien en fait. Hein. Je sais très bien qu'il faudra à un moment donné. Moi, tu sais, Windows 7, mes parents avant, ils étaient sous Windows. Parce que. Sur Windows 8. Ils ont fait la mise à jour à temps. Ils ont fait la mise à jour au moment où il fallait la faire. Moi, j'ai dépassé la date limite. Du coup, maintenant, c'est payant, je l'ai dans l'os. Tu comprends? Ah, bah là, tu l'as plus dans l'os. Hein. Là tu l'as plus que dans l'os. Non, mais je l'ai carrément. Voilà, carrément. Je l'ai dans l'os. J'avais souffert. Un demi-tour de match. Ouais, donc en gros, hein, je voudrais pas être désagréable, oui, mais tu vas investir dans une tour que voilà que dans une mise à jour qui va me coûter 150 ou 100 euros. Je sais pas, par exemple, je dis ça, je dis rien. Qu'est-ce que t'en penses, toi? J'essaie de me connecter, et tu vois, ils me disent inscrivez-vous ou connectez-vous pour suivre votre streamer préféré et discuter avec eux. Rendez-vous sur http://twitch. Déjà rien que ce que je fais. Moi. Tu vois, Poto. Oui. Non mais attends, excuse-moi. En gros, ça va résoudre la question que je te posais, ce petit problème. Oui. C'est que il faut soit l'application pareil pour Facebook, en fait. Ben, il faut une Smart TV, tu merci. Moi j'ai mes casquettes moi-même maintenant. Elle se connecte automatiquement. Il y a une synchronisation qui se fait avec la télé et ton ordi. Ça te permet de restriction justement et moi comme j'ai pas ce cette appli sur je sais pas. Et tu sais quoi?
Non, j'ai oublié de te dire. Oui. Je vais pas me prendre la tête. Ah. Parce que j'ai fait mieux que ça, j'ai anticipé plutôt. J'y avais précommandé un que j'ai reçu là il y a 2 jours, je l'ai même pas connecté encore. Avec un splitter, c'est un. Ah, voilà mon taxi. Un boîtier enfin, cristal. Je t'expliquerai tout en détail. Voilà, un boîtier, voilà. Et j'ai une devinette. Lequel d'entre vous capture, se fatiguera HD. Et abandonnera le premier PS3, 3.6, One et tout, plutôt. Du coup, si tu veux collaborer, on pourra. Hein, voilà. Alors, moi, le boîtier d'acquisition, c'est pas que je veux pas te finir avec le main pour savoir ça marche. Mais moi, je. Pas d'acquisition. Non, le boîtier de capture pour tout. Ah, mais je sais pas comment ça marche, moi, ces machins. Moi, alors là. Parce que le problème, c'est que sur ton PC, comme tu me dis que t'as le Windows, comme tu me dis que t'as le Windows 7. Windows 7, oui, c'est juste quoi. Je demande à vous. Non, je peux travailler moi avec le HD, là, le Game Capture. C'est sûr. Ça fait pas du 4K. Mais en revanche, je peux travailler du HD 1080p sur mon Windows Movie Maker, il n'y a pas de souci. C'est et pas en chaud. En revanche. Ah non. Monsieur. Mais quand, en revanche, quand on va passer, on est passé au 4K. Là, il me faudra un truc de streaming 4K, des trucs rares. Il faudra, tu le sais très bien. Ça m'empêchera pas de faire mon délire. Mm. Mais en revanche, si tu veux bien sûr passer en 4K comme tout ce monde, ah, il va non. falloir claquer 2-3 000 euros. Pas 3 000 euros, mais. Le clown fait un bon écran, un curvé. Parce que même sur PC, on en parlait la dernière fois, rappelle-toi, du full HD, des trucs comme ça, ils sont pas encore en 4K. Mais en revanche, comme tu m'as expliqué, les écrans de gaming de PC sont bien plus performants que certains écrans 4K OLED ou je ne sais quoi. DVR. et tout. Ils sont plus performants. Pourquoi ? Parce que c'est des écrans PC gaming. Donc il paraît que tout ce que, qui est connexion, je sais pas comment on appelle ça, les MS, microfluide, je sais pas quoi ça. La fluidité de l'image en fait. C'est bien d'avoir la fibre, mais il faut avoir la fluidité de l'image, le temps de réaction. Ça lag pas. Tu vois. Et par exemple, des fois, tu es sur un jeu, ça t'as des petits craquements d'image, tu sais, en fait. Et ben c'est ça en fait. C'est lié à performance de voilà quoi. Millième de seconde, tu sais, ces petits. Voilà. Et tu en as, on va dire, par exemple, tu fais, je sais pas, tu as 60 FPS sur un jeu, par exemple. C'est une image qui est hyper fluide, tu vois. Ça suit hyper bien, tu sais, le jeu. Mais si à côté, quand tu enregistres, tu fais du stream et que tu n'as pas ce qu'il faut à côté, c'est ça que je veux te dire, et ben, ou même l'écran. Ça va merder en fait, ça va merder dans plein de trucs, sur tes enregistrements, sur tes diffusions, sur je sais pas moi. Mais tous ces paramètres, faut les prendre en compte en fait. Si tu veux faire du bon streaming. Et moi, d'accord, je suis pas sous Windows 7, mais le peu que j'ai, je pense que. Parce que j'ai déjà un studio d'enregistrement en fait, si tu veux. Avec des cartes son, des micros enregistrement studio, tu vois, par exemple, parce que je fais de la musique un peu, tu vois, à côté. Donc j'ai déjà un peu de matos. Même des enceintes de monitoring, au cas où. J'imagine que tu dois avoir aussi un micro, parce que si tu fais de la musique. Non. On arrive bientôt. Oui, mais un micro que j'arrive toujours pas à paramétrer, parce que c'est. Tu vois, je suis sur un logiciel qui est en anglais un peu, tu vois, mais monstrueux. Et que j'ai besoin d'un pote à chaque fois qu'il me configure le micro pour faire des prises de voix, quoi. Mais ça me saoule un peu. Mais c'est juste pour Louis, le chant, ça marche. Hein, je sais pas. D'accord, Jimmy. Après, juste une minute. Pour tout ce qui est micro, Louis on a un casque et un micro. Renommée hein, internationale, hein, toujours au cœur du. Voilà, pour qu'on me voie, j'ai une petite webcam que j'avais dans mon PC. Non, j'essaie de joindre Hercule, Jim Gordon, le commissaire Gordon. Tu me lâches très bien, ta nouvelle caméra, Jimmy. Va filmer Clark, plutôt. Oh, pas possible, Louis. Ça, c'est pas Clark mal. N'est pas encore arrivé au travail. Microsoft, parce que du coup, ça t'évite de... Tout simplement Allô de... Commissaire acheter une Bonjour, Kinect, Louis Lane du Daily Planet. Une déclaration sur l'intrusion au laboratoire Amazon. En sachant qu'après, tu peux passer par autre chose que... Bon, moi en tout cas, oui, je suis en train de te suivre depuis tout à l'heure, t'inquiète.
pour t'envoyer. De toute façon, il y a qui est. 2-3 trucs. 2-3 trucs à 10 ou 20 000. Je vais voir ce que j'ai débloqué. Parce que ça, c'est bon pour. Il paraît. J'ai entendu ça. J'ai débloqué, regarde. Une pizza bizarre, des nouvelles pizzas, c'est tout. J'ai débloqué un truc, une batterie. 10 000. Je te l'envoie. Ah, l'autre aussi m'a envoyé une batterie en fait. Ah, d'accord. Ah non, c'est une canette, ah, une canette, pleine allez, d'énergie, moi, ah d'accord, c'est dans une Red Bull. Allez, hop. D'accord. C'est marrant quand même. Et tu as quel niveau toi? Toi tu dois avoir encore un sacré niveau, je suppose. Moi je suis niveau 99. Et comment on croit? Je crois. Ah j'ai même pas fini ma question en fait. Ouais j'allais te poser cette question. En fait. Quel niveau tu es? 99 il me semble. D'accord. Donc arrivé au niveau 100 tu vas débloquer le grand temps. Ouais tu as débloqué pas mal. Alors là. Ah mais j'ai débloqué le bouton. Merde. Ah la petite sirène. Je vais t'envoyer une gifle. C'est d'artifice. Ce feu d'artifice. Ah mais regarde, l'explosion. Regarde sur ta chaîne. Ah ça a pas duré longtemps, c'est pour lui. Quoi l'explosion? Vas-y, je te le renvoie. Mais je t'ai envoyé un feu d'artifice à 10 000 points hein, quand même. Hein. Oh j'investis moi. Attends. Regarde, attends, attends, je te l'envoie maintenant parce qu'il y a un petit décalage d'une microseconde là. Attends, ah oui, non, mais je sais ça. En action. Je vais vous plier en deux. Attends, je sais ça. Oui, je sais. Moi, je vois sur mon. Moi, je vois sur mon. Sur mon. Comment dire. Moi, je vois sur mon chat. C'est marqué LinkedIn Drink. LinkedIn Drink. Ça me dit ça. Ça me dit LinkedIn Drink. Moi, ça me dit. Ah, ouais. Oui, mais c'est pas un chat, regarde. C'est des effets spéciaux que je t'envoie. Là. Oui, mais moi, je veux dire, ce que je veux dire, c'est que moi, les, ce que je vois dans mes yeux, c'est mes messages. Si je t'envoie un gif, ah, je vois rien. Je vois rien. Mais parce que tu regardes pas ton PC en fait. Ah non, j'ai pas mon PC, j'ai ma tablette. J'ai ma, hein, quoi? Non mais, comment tablette? T'es comme moi, t'es pire que moi. T'as combien de trucs toi? Là je te vois, tu as un PC à droite, après tu as quoi? Oui, là j'ai le PC et j'ai ma tablette. Là, à côté. Là à côté que je te montre, j'ai ma tablette qui est là. Le PC ça sert à moi. Le PC il me sert juste pour. Le PC il me sert juste pour voir ma. Pour ma faire ma diffusion. Et ma tablette, ça me sert pour voir les messages qu'on me met. Appeler à l'aide ne vous sauvera pas, celui-ci. Mais comment ça c'est que moi des fois je n'arrive pas à voir ma diffusion genre. Mais où il va comme ça? Bah ça c'est parce que c'est Mixer qui déconne. Hier par exemple, bah tiens, Anto là qui me regarde, lui et son frère, ils ont été obligés tous les deux de me regarder sur Twitch. Parce que sur Mixer c'est pas moyen. Ah d'accord. Donc bah moi faut je comprends sur frère. Je comprends. Il y en a, tu vois, il y en a. Comme tout à l'heure, j'en ai vu un. J'ai voulu en regarder un, là, il vivait sur un jeu, je sais plus quoi. Non, mais. Et je voyais pas. Quand tu vas sur ta chaîne, genre, t'as vu, manager oui. Channel. Oui. Tu vas sur Channel, dans la logique. Oui. Et pour pouvoir consulter ta page, là. Là, il te marque, genre, voilà, bon, français, money. Ouais, bon, ça, c'était moi qui avais fait ça hier dans le jeu. Street, machin. Moi je veux savoir les liens. Tu sais je trouve plus comment faire pour mettre ton lien de Facebook et tout sur Mixer. Ça normalement tu vas dans les paramètres et tu as juste à cliquer sur Facebook. Puis tu mets ton. Puis tu mets ce que tu veux faire. Les paramètres de quoi? De la console ou de Mixer? Non mais tu vas sur ton compte Facebook. Mixer. Tu vas sur ton compte Mixer, tu vas dans les choses, tu regardes dans les paramètres, je sais plus comment c'est écrit, ou c'est marqué réseaux sociaux, ou je sais plus comment ils mettent ça, et tu vas sur ça, et là normalement logiquement t'as le truc pour Twitter, Facebook, tu vois, mais je sais plus comment ça s'appelle. Mais
c'est oui, c'est aucun problème pour le prince des énigmes. Ah, ah voilà, à compte, oui. Mais c'est pas traduit, c'est pas traduit en, c'est pas traduit en français. Là oui c'est. Enfin, je sais pas pourquoi ça traduit pas d'ailleurs. Tu me poses. Mais oui, pourquoi ça traduit pas enfin... traduit et là c'est un bug. Oui. Je sais pas du tout, c'est. Je sais pas, un PLS ou truc. Parce que normalement ça devrait être en. Ouais, logiquement ça devrait être en. Ouais, en français. En français. Alors, attends. Je clique là-dessus. Enfin, d'habitude là il y a marqué following, d'habitude il y a marqué suivant. Langage. Langage. Ah, c'était en English. Attends. Il n'y a pas de French ou quoi? Ah, il n'y a pas de français. Ah oui, il est là, le français. Le Frenchy. Il est là, le Frenchy. Voilà. On va mettre le français. Après c'est tout un bordel, surtout que j'ai vu il y a des clés de streaming, genre que tu dois conserver dans, ah oui, ça dans la confidentialité, des passes et tout, tu vois, des clés exprès pour créer ton lien de diffusion en fait. Ah ça je te cache pas que les clés de streaming... C'est un peu galère, tu vois. Moi je... Bon. Déjà réussi à partager les liens vers les chaînes, les mettre à disposition. Il y a les pépères, hein. Mais par contre c'est bien fait, j'ai remarqué Twitch. Le tableau de bord et tout, c'est super bien fait. Ah oui, il est mieux fait que ce mixeur. Hein. Ah oui, voilà, voilà. Ah, tu confirmes, je voulais pas le dire. Ah bah oui. Ah bah oui, je confirme. Tu sais quoi, tu l'as dit pour moi, merci. Ah oui, non, mais je confirme, hein, je confirme. Hein. Je confirme. Hein. Léna, Insta, Twitter. Sur Twitch, moi je sais. Moi sur Twitch, quand je fais des diffusions par exemple. Et que par exemple que ma connexion elle a bugué et puis que la diffusion s'arrête, c'est que ça arrête net et puis que j'ai pas beaucoup diffusé parce que j'ai un problème, enfin bref, un problème ou n'importe quoi. Bah surtout je vais directement sur mes vidéos. Je vais sur mes vidéos, je supprime la vidéo que voilà, je bon voilà. Je supprime la vidéo qui est pas adéquate. Je sais pas, puis voilà. Mais par contre, sur Mixer, voilà. C'est pas. Pas sympa. Mais au fait, je comprends pas, là. Je galère là, avec le code. Mon code match, là, diffuser. Alors, voilà, si je veux diffuser, alors j'ai un compte. Alors, voilà, ils vont me dire rendez-vous quand même. Là. Saisissez le code à 6 chiffres sur le site internet pour vous connecter à votre compte. Enfin, à votre, je sais pas quoi. Ils disent pas, il y a 3 de 6 quoi. 6 chiffres ? On connaît 6 chiffres ? Ah, tu vois, là je suis dans. On n'a plus qu'à penser ce poste de sécurité. Ensuite, ça devrait pas être difficile. Moi, je crois que sur Twitch, mon code c'est 20. Si vite, c'est, gueule d'arche. Je crois que c'est ma naissance, je crois, il me semble. Ça semblerait une tourelle à l'allure menaçante. Quel genre de commissariat de police ? Mais moi, si c'est pas en français, donc oui. Discord, club, Twitter, YouTube. C'est bien vu. C'est quoi ça ? Ah oui, c'est bien. T'as un truc, si tu t'inscris, ça te coûte de l'énergie en fait, c'est ça. Si tu vas sur YouTube, tu gagnes 500. Sur Twitter et tout, si tu connectes les comptes. C'est ça, non? Je sais pas. Ah, il faudrait que... Attends, je vais tester, parce que là aussi, c'est un peu... Ouais, apparemment... Franchement, j'en sais vraiment. Il marque encore son... C'est un peu la merde. Non. J'ai coupé ma cam. Juste la caméra, puisque là je suis pas Patron. De diffusé. Je peux m'en occuper. Ah, t'as mis la cam avec toi, t'inquiète. Tu veux essayer de mettre la cam? Oui, j'avais mis la cam. Mais depuis tout à l'heure, hein, ça fait plus de 5 minutes, il y a aussi. Je sais pas, ça fait 2 jours, comment plus j'ai ouvert. J'en ai vu un tout à l'heure sur Mixer. Il était en train de diffuser sur Red Dead Redemption 2. Ouais. Eh ben, ils ont... Sa connexion, ils ont... comme d'ailleurs, je lui dis. Je lui dis. Ah, d'accord. Je sur mes diffusions. Ça va, ça débute plutôt bien. Moi, j'ai rien pour les paramètres. Non, toi, non, ça va. Toi, ça va. Non, mais il y en a un tout à l'heure, j'ai regardé.
parce qu'ils perdent du débit, parce que des fois ils veulent paramétrer, ils veulent mettre la définition vraiment bien, et ça a un impact idéalisé sur, sur la diffusion, en fait, tout simplement. C'est pas simple. Il vaut rester en 720p que de monter en 1080p et de tout former en diffusion. Moi je crois que je suis en... Alors je sais, je crois que je suis dans les paramètres d'OBS. Je crois que dans les paramètres d'OBS, je dois être en 1080, je crois. Bon, c'est bon, j'ai vu 1080. J'ai... Ah, je sais pas du tout, moi, là, de quoi. Ah, moi, je sais pas non plus, moi. Je sais pas reconnaître le 1080-1800p. Il y en a plusieurs, ce mixeur, ils disent, oh, moi, je suis en 4K. Ouais, bah, tant mieux. Je leur dis, bah, ouais, bah, c'est bien. Je leur dis, bah, tant mieux pour toi. C'est les mecs qui peuvent te... Il peut te dire ça, mais en fait, compte, c'est pas vrai, hein. Le mec, il les met pas en 4K, ça se trouve, il est comme toi, il est en 720p. Voilà. Donc, non, mais frère, regarde, je vais prendre la photo de mon chat, elle veut pas se réveiller, elle a la tête dans le... Dans le cul. Non, mais... Pourquoi dans le cul? Qu'est-ce que tu dis? Ah, tu dis, elle veut pas se réveiller. Elle veut pas se réveiller, normalement mon chat ne veut pas se réveiller. Il arrive dans la tête dans mon rapprochement, putain. Ah, d'accord. Oui. Il fait des cas. Attends, je prends une photo, je vais la mettre en photo. Aussi. Moi, tu sais que. Moi, ma chaîne, je l'ai mis. Moi, ma chaîne, je l'ai pris en photo, je sais plus quand, et je l'ai mis sur Facebook. C'est parce que. Tu sais, quand elle veut. Quand elle veut que tu la sortes dehors. Elle se met devant toi et puis elle fait un sale regard d'un de dire bon bah tu me sors oui d'un de dire si tu me sors pas tu vas voir ça va si tu me sors pas tu vas voir mais t'inquiète pas elle se comprend. Elle te regarde d'un de dire ou là des fois elle te met la tête sur la jambe. Elle se fait un coma. Attends, c'est que ça m'inquiète, attends, je vais enregistrer. Parce qu'il n'y a rien de grave. Ma fille. Oh. Si elle dort, elle dort. Voulait... Ah d'accord. En fait, non, mais elle dormait, vraiment. Elle dormait. Ah oui, elle dormait. Parce qu'elle voulait pas se réveiller, la mince, hein. Oh. Bah, c'est un chat, c'est un chat, il dort, hein. Ouais, mais non, qu'elle dorme, c'est une chose. Mais des fois, c'est des comas, c'est pas mal, tu vois. Et du coup, je pensais que. Moi, j'ai ma chaîne, c'est pareil. Quand elle adore, je peux te garantir que. Alors, est-ce que ça va? La nouvelle toilette, elle. Des fois, tu. En fait, quand tu la caresses, elle est là, genre. Elle se. Comment dire? Ah ouais, c'est refait la toilette. C'est refait la toilette comme si tu l'avais salé. Tu avais des coiffes et je sais pas. C'est marrant, hein. Ouais, c'est plus mort. Ben, je suis contorsionniste. Je fais des trucs de ouf. Ouais, marrant. Fuck Batman pour nous arrêter cette fois. Plus un geste, oh. Espèce de gros tas de boue. Nightwing. Cette preuve ne sortira pas d'ici. Ah non. Petite devinette. Qu'est-ce qui a 10 vies et 3 visages? Nous. On nous a dit qu'on pouvait venir récupérer nos affaires. C'est bon, hop. C'est marrant. Quand même. Bon, je sais pas si je vais le dire. Bon, il faut que je fasse ce code de confirmation. Qui est avec le téléphone? Voilà pour toi, l'artiste. Tu me l'as récupéré. Mets-le ici. C'est ça que tu cherchais? Oui, je me sentais un peu trop démuni. Donc... HTTP. Harley, Chat Trivia, c'est ça.
Witch.tv. Oui, que c'était réparé. Bienvenue à tous. Goûtez le poisson. Qu'est-ce que c'est? Ils me disent http/. Ah voilà, www. Ferme un peu ton bec, pingouin. Peut-être, très chère amie Féline, devrions-nous combiner nos efforts pour tenter de rassembler ces précieuses beautés. N'oublie pas, tout ce sur quoi je mets la main m'appartient. Je dirai à la police que tu as tout emporté quand tu as filé. Smash. Quel gentleman tu fais, Louis? Tu veux. Tu me flattes, Janine. Je t'ai dit que tu es un truc, je t'ai cliqué, machin, tu casses la vidéo sur YouTube. Non, c'est pas ça. Par contre, il y a aussi un truc que je t'ai pas dit sur. Sur Twitch. Sur Twitch. Tu risques d'avoir, enfin, tu risques d'avoir comme moi, hein? Tu risques peut-être d'avoir comme moi des problèmes de la latence. Parce qu'il y en a beaucoup sur Mixer qui vont entendre dire, qui vont te dire que sur Mixer qu'il y a des décalages, etc. Oui, mais pour l'instant, je voulais savoir si, est-ce qu'il faut que je sur le site internet, TV, est-ce que ça va marcher en insérant le code sur ce là, ou alors sur Xbox One? Moi je sais que normalement. Xbox One, Twitch. Moi je sais que normalement tu peux diffuser sans être obligé de faire. De faire ce que tu fais. Tu peux très bien diffuser sans être obligé de faire ce que tu fais. Hein. Ça marche. Hein. Moi la première fois que j'ai diffusé sur. La première fois que j'ai diffusé sur Twitch, j'ai pas eu besoin de faire de confirmer ou quoi que ce soit. Non, ça. Alors, rien voir, faut faire quoi là-dessus. Oui, donc en fait, il faut faire aussi. Voilà, on va dire mieux connecté. Connectez-vous depuis Facebook. Oui, je peux depuis Facebook. On va être identifiant, tout simplement. Là, je l'ai là. Sur le pied, c'est ça qui me saoule. Donc, gérer le mot de passe. Dans le monde, tu es obligé de devenir pas un intello, mais voilà. Trop du truc. C'est comment déjà pour aller. Je crois que c'est là. Ah, c'est là. Alors. C'est pas évident. Non. Où est Twitch? Twitch. Ah voilà, Twitch, c'est bon, j'ai trouvé. Alors, on va tenter comme ça. Avec nos identifiants. J'ai mis bien. Ils me disent pourquoi Grizzly Foot. Merde. Mais pourquoi il me met un peu de côté de la fille? Ah voilà. Je
Bon, on va tenter comme ça. Si ça marche, voilà, il faut bien le surveiller. Ah, voilà. C'est sûr que c'est ça. Oh, oh magnifique. Ça a marché. Activez votre appareil. Oui, mais c'est avec le téléphone. C'est pas grave. Le téléphone, il prend. L'application, le truc TV pour confirmer sur le... Ça serait pour dire que j'ai trouvé mon bon de sortie. Merde. Il faut que je relance un truc, alors, peut-être. Oui, alors... Je vais connecter un autre numéro avec le dame sur Earth. C'est... Alors... Vous avez réussi. Bin, je prends mon magnifique. Jouet. Hop. Oh, ça y est, au poteau. Je suis connecté. Oh, tu m'apportes des chances. Espèce de traître. Franchement, je suis content. C'est pas grand chose, mais je suis content, tu vois. Parce que c'était le dernier. Lui, c'était la seule issue sur le gâteau. Parce que j'avais. Ah, je m'étais déjà fait chier avant pour refaire le compte. Mmh. Putain. Sur PC en plus, c'est un peu la merde. J'ai trop galéré. Je suis sur une place. Je dis quoi, non? Allez, la fête est finie. Vous allez me suivre bien gentiment et la journée pourra reprendre son cours. Je ne vous le répéterai pas. Rendez-vous. Donc tu dis que ça lag un peu Twitch, c'est sur iPad Non, non, sur la... Non, mais sur la Xbox, sur la Xbox. La Xbox, tu risques d'avoir des... Moi, je l'ai eu, ça, moi. Moi, le du lag, sur j'ai... Sur la diffusion, c'est limité l'application, en fait. Il paraît que pour streamer, sur Twitch, c'est une application. Parce que t'as vu, il y a des extensions gratuites, en plus. Ça dépend des débutants, semi-pro, professionnels, ça dépend du nombre de spectateurs et de ce que tu veux faire. C'est Twitch. C'est ça qui est très intéressant. Moi, je suis sûrement fait. On en a deux là. Je vois pas. Non, non. On est hop. On fait juste ça. Chaîne, studio vidéo, comment tu fais pour diffuser de Twitch comment on fait pour rajouter voilà, rechercher. À moi, c'est sur Twitch, c'est. Je crois que c'est vieux, ça se calme, tout attaché. Je crois. Je crois, pas voir ça, mais. Attends, je crois, attends. Attends, je vais pas te raconter de conneries. Attends. Mais c'est dommage, je peux pas t'ajouter. Non, mais à un moment, je peux copier un ami ou je peux. Attends. Ah, je t'ai trouvé. Vieux sage, c'est bon. Vieux sage, calme. Tu es ah bon, je m'as trouvé. C'est bon, je t'ai vu. Ah, c'est bon. Ouais, c'était ça. Tu avais raison. Vieux sage, calme, tout accroché. Bon, ça, c'est hyper bien fait la recherche, par contre. C'est, limite, c'est, mixeur, c'est pire que Google. Oui. J'ai juste tapé. Oh, j'ai même pas tapé vieux qui m'est sorti. Tu es fou. Il m'est sorti un autre vieux. Il y a marqué vieux jeu, bail, je sais pas quoi. Attends. Ouais, mais tu vas voir une grosse différence. Tu diffuses sur Twitch en fait. Ben oui, je diffuse sur Mixer, Twitch et YouTube. Les trois. Ah, d'accord. Comment je peux diffuser trois trucs en même temps? Oui, mais je fais sur un site. Sur un site sur internet, c'est Restream. Restream. C'est Restream qui permet de. C'est Restream qui permet de faire ça. J'ai pas compris ça encore, le système de Restream en fait. J'ai lu, je suis allé voir. Et puis, Restream, c'est. Restream, c'est pour faire plusieurs streams.
Et voilà. Mais tu peux faire, tu peux pas en faire autant que tu veux. C'est, tu peux en faire, enfin si, tu peux en faire autant que tu veux, mais faut payer. Ouais. Tu peux en faire, tu peux en faire 3. Tu peux aller jusqu'à 3, là, mais. Tu l'as vu, quoi, là, ton mofolo, là. Tu l'as vu, mofolo, là. Oui, je l'ai vu. Attends, j'ai vu, j'ai vu. Je vais voir, je te dis. Je te dis, c'est moi. Bah oui. Bah oui. Là, je t'ai vu sur ma tablette, là. Tu m'as... Là, je t'ai vu sur ma tablette, c'est marqué Grizzly 81. Comment tu fais pour aller ? Ah voilà, il y a marqué 1. C'est quoi 1 en rouge, là ? Ça, c'est. Je sais pas. Putain, tu as pas mal de vues, toi. Partager. Je vais te partager sur Facebook, moi. Je vais te partager sur Twitter. Oh, mais je fais Twitter, Twitter, moi, j'ai... avant, je le faisais, maintenant, je fais plus. Non, ça t'embête pas. Non, non, mais vas-y, 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 vas-y. J'ai pas d'abonnés encore. Hein. Non, mais moi, sur Twitter, moi, avant, je le faisais sur Twitter, mais maintenant, je le fais plus. Parce que Twitter, en fait, tu peux le faire qu'une fois. Tu peux pas le faire autant fois que tu veux. Téléphone, email ou identifiant. Passe, putain. Putain, il y a tellement de mots de passe et de trucs et de merde, j'en ai 40 000. Il faut que je le mette dans un truc sur une clé USB. Je vais cacher sous un carrelage dans la salle de bain. Non, ben, tu rigoles. Ah voilà, c'est glitch. T'as tellement de... T'as tellement de mots de passe que... C'est déjà pas mal. T'as tellement de mots de passe que t'es obligé de les mettre sur une clé USB, car... Oui, c'est simple. Sans compter de rien, c'est-à-dire que je pars juste sur le stream et la Xbox. Et sur le jeu, j'ai... Tout ce qui sont là. Le profil Microsoft, le 1, en sachant que j'avais deux comptes. Mmh. C'est pour ça que j'ai mis le 1. Ouais. Mot de passe et. Non. Après, Facebook. Facebook, le lien du groupe et tout, tu vois, associé. Le SoundCloud, parce que c'est associé aussi sur l'application, tu sais, pour te balancer de la musique ou pas, bref. Et quand tu joues, quoi, des fois c'est simple. J'ai un mot de passe encore de Google. Je suis sur Google aussi pour Gears of War, tu vois. De mes chaînes, de mes clubs. J'ai créé ça, mais c'était pour les potes. Ouais. C'était vraiment pour les potes, même si c'est mon club propriétaire, je me tiens de les tenir actifs. Même s'il n'y a pas grand chose et que les gens en ont s'en foutent, et je le fais pour moi. Et pour mes membres. Ceux qui veulent rien voir et rien entendre, je m'en fous pas mal, et de toute façon ils vont déguerpir tôt ou tard, de toute façon je fais des tris toutes les semaines et tous les mois. On a déchetterie, tu vois. Voilà. Elle a bien raison. Enfin voilà, bref. Donc, c'est pas que j'ai raison, je me dis que voilà, c'est mon analyse à moi peut-être, mais au moins, moi je m'incite parce qu'on me dit que c'est une secte et tout mon club, alors que j'ai que 20 membres. Et c'est des gens qui ont voulu retourner le cerveau de mes membres et ils ont pas réussi. Donc du coup, non seulement qu'ils sont partis de eux-mêmes, tu vois, mais en plus de ça, parce que c'est pas des gens qui reconnaissent le dehors, le machin, le truc, quoi. Ils n'ont pas communiqué sans entendre dessus. Ça, ça c'est clair. Mais moi je m'attarde plus sur on a plus 20 ans, 15 ans à se chercher des poules dans la tête. T'es d'accord, VV? On va chercher des poules dans la tête en 2000 ans. Pendant 2000 ans. Nous, on est des adultes, toi, moi, je fréquente des gens qui sont posés, qui sont calmes. Là, tiens, vieux singe, je suis pas en train de te brosser tes chaussures, encore une fois. Précise, parce que. Je sais pas, toi, tu crois qu'en fait, je cherche à. Oh non, 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 je m'en fous, moi. Pas, je m'en fous des gens, je respecte les gens. Mais je parle d'un principe, si c'est pas réciproque dans l'autre sens. Alors, vous avez vu l'heure, il faut que je file. S'il y a aucune réciprocité, moi, je ne peux pas développer la tête des gens et parler de projets, tu vois, de choses concrètes. Tu seras moins fier après avoir affronté. Avec les membres, tu vois, qui sont tous, c'est une communauté. Donc, on partage des articles sur divers jeux. Bon, ça, c'est dans.
chacun, comme tu dis, tu l'as très bien dit là encore dans ta description là, j'avais de voir. D'ailleurs, je pensais que tu parlais pour moi. Non, je rigole. Mais. Slime comme ça. Ah, vous allez me le payer. T'as ramené un peu de verdure, tout ça. Genre. Ils sont là, ils s'approchent un peu comme des loups, tu sais. Ils te remontent, tu sais. Hein? Ils attendent que tu te manques, en fait, dans ta diffusion, ou quoi que ce soit, pour te saccager, te voilà, comme Jésus sur Macron, quoi. Le mec, il se lâche. Et si ils peuvent saluer, tu sais que Macron, tu sais que Macron, il est mal barré, Macron. Non, mais on va pas parler du tout. D'accord, mais je te parle pas des gilets jaunes, là. Je te parle de choses réelles. Bon, c'est réel aussi, hein, ce que tu dis, attention. Oui. C'est dommage. Je me reprends, mais c'est vrai qu'en ce moment, on parle que de ça. Le gilet jaune, de ci, de là, les champs de pied. Regarde les jeux. C'est vrai, coucou, vieux sage. Panier, ouais. Oreille pointue. Dis-moi la vérité. Bien joué, Catwoman. C'est parce que tu as un tempérament, donc tu connais ton tempérament, minute, tu as une papillon. Identité de gamer. D'abord, je voudrais mettre la patte exact, sur ce joli caillou. Voilà, je dis ça comme ça, c'est inventé. Ma récompense pour m'être occupé de deux membres de la petite famille. Tu sais à quoi tu vas jouer, tu sais sur quoi. D'accord, mais fais vite. On est déjà c'est comme ça, tu es forgé comme ça. Je sais pas si c'est une notion de vie qui fait que tu es attiré par ce style de jeu. Je sais pas ce que tu as vécu dans ton enfance. Tu vois ce que je veux dire. Moi, en tout cas, ça me révoque un peu ça. Quand je joue à un jeu, je ne m'invente pas une vie dans un jeu. Je vis le jeu. Et voilà, voilà, et voilà, j'ai remarqué ça. C'est pour ça que au début ça t'a semblé bizarre quand je te disais putain franchement t'assures, j'aime bien les gars comme toi. Toi tu me disais ouais mais c'est bon, vas-y, putain, j'ai compris ce que tu voulais en donner. Mais c'est bon, j'aime pas les hommes, j'aime les femmes, t'inquiète pas, je suis pas là, c'est pas un plan drague, hein. Je sais pas faire des rencontres amoureuses, hein. Mais amoureuses, oui, mais dans le jeu. Voilà, à rencontrer des gens sincères qui... Non mais tu rigoles, j'ai raison, finalement. Mais des gens sincères parce qu'il n'y a que des crevards. Il n'y a que des crevards. Voilà, et de plus en plus, c'est malheureux. C'est vrai. Putain, attends. C'est vrai. C'est vrai. Voilà, moi je ne peux pas. Voilà. Ça c'est vrai. C'est un peu... Ben, c'est pas, c'est, je suis pas la voix de la raison, Vivi, tu vois, mais... Salut, Minette. Voilà, tu vois ce que je veux dire, non? Dis-moi. Oui. Je devrais en tirer une belle. C'est malheureux, moi aussi, ça me fait mal au cœur. Franchement, parce que j'ai vécu des choses vraiment sympas, c'est-à-dire vraiment. Commissaire Gordon, des moments forts avec des gars, que je pensais que ça allait marcher entre nous, limite, cette relation d'honneur. Et finalement. On est des. Enfin, moi, je me suis planté encore, tu vois. Et si. Voilà. J'allais monter dans les tours, tu vois. Mais, emmenez-moi voilà, ce criminel à Arcade. Chez nous, tu sais, en Corse, on est un peu sanglant. De toute façon, ça, tu l'as bien vu, je sais pas si je t'avais présenté un peu ta mère, que... c'était un Corse aussi. Parce que toi, tu me dis que tu as une voix de mafieux, mais ça n'a rien à voir avec la mafia, on est comme ça. Toi, je sais pas d'où tu es, mais. Oui, si les origines, elles sont comme ça, on peut pas critiquer, tu vois. C'est peut-être la coutume. Il y en a des Portugais, des Chinois. Pas la sortie. Peu importe les Bretons, tu vois, les Danois. Et voilà, il faut, tu sais qu'il faut revenir à l'histoire des Vikings. Hein. Moi, quand je regardais la série, là, j'étais mort de rire. Hein. Je me suis dit, putain, mais je suis largué ou quoi? En même temps, ça, c'est un peu le problème quand tu vas pas à l'école. Quand tu vas pas à l'école. Et tu n'as pas eu la chance vraiment de pouvoir t'accrocher. Toi, t'as réussi à. Non, tu parles un peu anglais, tu as réussi à aller un peu justement au lycée, quoi. Tu vois, genre, avoir connu autre chose que le collège, quoi. Genre, voilà, t'es pas vraiment une loose ou t'es un peu une loose, un peu comme moi. Mais ça va, t'as une bonne culture générale. T'es plus ou moins intelligent. Hein on va dire que. T'as l'air plutôt intelligent, quand même. Je suis intelligent, je suis la moyenne. Oui, et ben, il y a qui vraiment qui sont tombés sur des gros couillons. Hein. Ouais, c'est bien d'être intelligent, mais tu peux être con aussi. Hein. Alors, moi aussi, oui, c'est. Tu peux être con et intelligent, c'est oui. C'est vrai, en plus, j'invente rien, hein. Moi. Ah ouais, mais c'est vrai, tu peux être con et intelligent. Mais c'est là, voilà. Voilà, c'est la vie, l'expérience de la vie qui t'apprend à être un homme, en fait. À voir vraiment l'identité d'un vrai gars.
C'est comment les gens ils vont t'entendre, comment tu vas te présenter déjà. Soit lors d'un entretien, quand tu vas démarcher pour du travail, que tu vas voir des clients, ou peu importe, la présentation. Voilà, le contact. Voilà. Voilà. De toute manière, bon, après tu auras beau parler. On y est presque. 3000 le euros. Hall de la fatalité, encore une fois. Mais les gens, tu peux pas les changer. Moi, je suis pas là pour ça. Je suis pas Jésus. Je suis pas un prophète. Moi, je suis personne. Alors, moi, d'aller me dire, moi, franchement, j'ai encore à travers la gorge au poteau. Comme, tu sais, comme un os ou une arête, tu sais, qui est coincé dans le truc. Et ben, ça veut pas passer. Des fois, il y a des trucs qu'on fait, même si c'est pas. Ça reste un monde virtuel, tu vois. Quand t'attaches de l'importance à quelqu'un, ça fait mal au dos. Donc ça te touche. Et du coup, ça t'émerge. Et après, voilà. Il se passe des choses, des fois un peu graves, comme tu, après tu supprimes. Les gars, avec le syndicat des justiciers dans les parages, plus on sera, mieux ce sera. Je vais tout juste échapper à cet enfumé d'un. Je sais pas ce qui va se passer, mais ça va être. On est bien loin du preux. Ah, parce qu'il a trop voulu faire le fou. Il n'est pas resté à sa place. Toi, tu es un homme. Enfin, tu es un homme, tu es un gars. Oui, tu es un homme. C'est fini. Les potes des CD. Le temps des cerises, c'est fini. Tu avais 15-20 ans où on avait la fougue et tout. Si on a encore un peu. C'est fini le temps de la jeunesse. Il y a cette jeunesse, mais elle est une jeunesse adulte. Alors, on est plus responsable, on est plus responsable de nos actions. Donc, quand tu parles, il ne faut pas débiter de la merde, en fait. C'est ça que je voulais leur dire. Est-ce que j'ai eu raison? J'ai dit, arrêtez les gars de me faire perdre mon temps. J'ai dit, moi, ce que je cherche, c'est à créer dans le club cette putain de communauté. Parce qu'ils sont là, tous me faire chier. Et moi, je les ai tous envoyés caguer. Tout simplement. Maintenant, je ne vais pas extrapoler avec les toits. Je ne vais pas te casser ton délire dans ta diffusion et dans ton streaming. Je vais passer à des spectateurs. Il y en a un. Moi, je vais essayer de retrouver Harley. Ah merde, il y en a un. C'est pas. Ah merde. Ben salut à toi, hein. Désolé d'avoir monopolisé. Bah. Voilà quoi. Bon, j'ai besoin de le dire. On va faire monter la température à Métropolis. Capte la station de téléphérique. Ouais. Ça m'étonnerait qu'ils nous laissent prendre le téléphérique. Après ce qu'on a fait. On se fiche de ce qu'ils pensent. On prendra le téléphérique et c'est tout. Merde, désolé. Merlin, viens où tu joues les babysitters. Essayez d'éviter les problèmes, vous deux. On a une mission, je vous le rappelle. Peut-être que ça me permettra de trouver que je suis le meilleur archer du monde. À chaque fois, j'essaie de paramétrer ça. Ouais. Ou alors tu coupes. Attends, moi je coupe mon chat alors, je sais pas, attends. Ah, c'est trop bien. Ouais, mais tu as mis. Ça va rien changer. Sur neuf. Bon, en tout cas, je coupe le mien. Ok, là-bas. Les mains sont coupées. Il y a le destructeur qui est connecté, en ce moment il est connecté. Putain. Certains c'est des non-life. Bon, alors. Oh la li la li lou. Ouais, donc t'es toujours sur le Lego. Oui, mais je vais arrêter, là. Je vais arrêter. Je vais faire un petit tour. Donc là, si je mets diffuser, est-ce que ça va prendre en compte la caméra que j'ai branchée sur ma console, sur Twitch? Ah oui, à ça aussi, à ce niveau-là. Est-ce que ça ne lui sait peut-être pas? Hein? Attends, ce que je veux dire, parce que ça ne lui sait peut-être pas. Ah, mais non, je ne sais même pas du tout. Donc ah, t'as marqué pas. Diffuser, parce que je suis connecté avec la console sur Twitch, là, maintenant. Oui, alors voilà, est-ce tu ne sais pas. Ah, attends, non, parce que attends. Il y a un truc que je sais pas. C'est que sur Twitch. Non, mais attends, je te. Non, c'est pas galère, attends. Ça sent pas bon, ça sent pas bon. T'as raison, ça sent. Ça appuie un tout petit peu, mais. Un petit peu. Tu vois, tu vois la caméra, tu vois mon doigt, un petit peu. En fait, ce qu'il fait, c'est que ça peut puer, oui, ça peut puer un petit peu. C'est que voilà, alors sur Twitch, ils ont fait un truc, parce que moi avant que j'y fasse comme là je fais là. Avant ce que je faisais c'est que. Attends, ça sent la merde. Ah oh, une merde, pas une grosse merde, mais bon, enfin une petite. Ouais. Je disais donc comment dire, moi avant que j'y fasse comme je fais, j'avais une caméra, c'est une caméra simple, bon c'est un peu bon. Qui payait pas de mine, c'était la caméra à mes parents. Bon.
Et donc avant, sur Twitch, tu pouvais diffuser avec n'importe quelle caméra, de n'importe quel modèle, de n'importe quelle marque. Et un jour, comme ça, pour nous emmerder, hein, parce qu'ils ont fait ça pour nous emmerder, et un jour comme ça, ils se sont dit, bah tiens, ceux qui diffusent sur la Xbox, rien que pour les faire chier, c'est vrai en plus. C'est vrai. Rien que pour les emmener, on va les obliger, on va les inciter, on va les obliger à se servir de la Kinect. Parce qu'en plus Twitch, quand tu le fais depuis la Xbox, le désavantage qu'il y a avec Mixer, c'est que Twitch, t'es obligé, et t'as pas, de toute façon t'as pas le choix, t'es obligé de te servir de la Kinect. T'as pas le choix. Donc ce qui veut dire que si t'as pas autre chose... Sur Twitch. Non mais c'est avec la console. Ah oui, j'aurais une webcam. T'enlèves pas la webcam comme je t'ai dit. Hein, sur, ils l'ont dit. Hein. Ils le disent. Si tu mets une branche de webcam à 10-15 euros... Sur Mixer, sur oui. Carrefour, ça marche. Hein. Sur Mixer, oui. Non, oui, sur Mixer. Twitch, ah, non. Putain. Ah, tu sais pas si... À moins qu'ils aient fait une mise à jour, que je sais pas, que j'en ai pas entendu parler. Mais là, moi, la dernière fois que j'ai voulu streamer sur Twitch depuis ma console, j'avais pas la Kinect. Poto, et... je crois que je vais passer par YouTube et je vais faire le game capture parce que sinon je vais trop avoir de pertes de diffusion et tout. Je vais rester pendant une semaine à essayer d'associer des comptes et je fais quoi. Comme tu veux, toi qui vois. Bon, merci quand même, je vais tester. Tu peux essayer de diffuser un peu sur Twitch. Bon. Ah, mais moi, si tu veux, au pire, je te regarde. Si je peux pas. Quoi? Mais si je peux pas sur Twitch, j'ai pas de Kinect. Toi, tu me dis que si j'ai pas de Kinect, je peux rien faire. Ah non, j'ai pas dit. Non, attends. C'est pas ce que j'ai pas dit. J'ai pas dit que tu ne pouvais rien faire. Je t'ai dit que pour la caméra, en tous les cas, ça ne marcherait pas. Après, pour diffuser, rien ne t'empêche. Pour diffuser, t'as un combien sur Mixer qui diffuse sans avoir de caméra? T'en as pas mal, hein? Ah oui. Donc, rien ne t'empêche d'essayer de diffuser sur Mixer et de voir, bon, moi, tiens, ça marche pas. Rien ne t'empêche de faire, rien. Non, mais tu sais, en fait, ce que je veux faire, je veux me préparer, comme ils font tous, en fait, la plupart, mais moi, je veux pas faire ça. Je voulais garder l'âge. En fait, il faut que je fasse un choix. Il faut que je couple mon studio, comme je t'ai dit. Mais tu gardes ça pour toi, par contre. Parce que personne ne le sait, en fait. Hein. J'ai couplé mon studio de trucs, parce qu'il y a un logiciel aussi qui permet de faire des trucs pas mal. Et donc, je ferai ça et je vais l'aménager, tout le bureau, pour ça, en fait. Pour le gaming, en fait. Je vais faire un studio gaming dans la chambre, tu comprends? Voilà, quoi. Je vais faire un petit truc sympa, tu sais, sur les bureaux. Tu vois ce que je veux te dire? Des petites diffusions sympas, tu sais. Je vais acheter des petits... j'ai vu, là, il y a des petits trucs. Mais ça coûte cher, ces conneries, là. Les POC. Tu sais, les petits trucs, là, les POC. Pareil que tu trouves plein de... C'est comme des petits bonhommes, là. Tu sais? Des POC, ça s'appelle, je crois. Non? Je sais pas, je le connais pas. Non, tu vois pas. Je sais pas. Ouais, c'est hyper connu, ça. Je crois que c'est ça, attends, je vais taper. Donc là, vu que je suis sur Twitch, par exemple, comment je peux faire pour... De toute façon, normalement, si c'est toujours comme ça, parce que ça a peut-être changé depuis, normalement, je te conseille, enfin moi c'est ce que je faisais, je testais ma connexion. Ça te coûte rien de le faire, Tu testes ta connexion et eux vont dire si la connexion que tu as te permet de diffuser. Par contre, parce qu'il y a toujours un par contre. Ouais. Par contre, si c'est chiant, par contre. Hein. Par contre, Je suis revenu sur toi parce que j'étais justement sur Twitch et tout, tu vois. Par contre, s'ils te disent sur l'Icebox. Ouais, si tu veux essayer depuis Xbox et qu'ils te disent par exemple bah, que tu peux pas le faire parce que t'as par exemple moi j'avais voulu le faire. Attends parce que tu vois que ce qu'on est il va pas vouloir me mettre mais
Tu veux pas que je tente, là, je lance une diffusion, vu qu'ils m'ont reconnu, là, avec le compte, déjà, dans un premier temps. Bah, essaye. Si, Hein, bah, essaye. Ouais. Essaye. Bon, ouais. On verra hein, ce qu'il me dit. Je vais dire ça de. Ah, tu vois, code. Ça pue, mais alors vraiment bien. Non, mais ah bon, ça pue, cache. Hein. C'est qui ce que j'ai. Ah. Ben, regarde, il y a. Enfin, regarde. Il y a marqué code d'erreur, je sais pas quoi. Il y a plein de chiffres. Impossible de diffuser sur plusieurs appareils en même temps. Ah, d'accord. Arrêtez le diffusion et réessayez. Ah, ben, bien sûr, fermé. Voilà. Ah oui, mais c'est. Ah oui, mais attends, si tu diffuses ce mixeur, c'est normal. C'est normal. Ah ben voilà, ben oui, tu m'as dit. Moi, enfin, parce que comme j'ai pas le comment tu dis, le restream, le restream. Ben oui. Je sais pas quoi. Je peux oui, pas mais, diffuser, oui, mais là, tu es en train de diffuser sur ce mixeur, non ou, ben oui, mais comme je n'ai pas le restream, là, je ne peux pas faire, comme tu dis, toi, le associer les diffusions. Je suis obligé de couper. Une diffusion pour en lancer une autre. Mais alors attends, ils me disent quoi? Apparemment, je peux diffuser. Hein. Mes premiers pas dans Twitch, préparez votre stream. Y a pas de connexion. T'es sérieux? Poto, ça va marcher? Attends. Attends, tu peux régler la caméra ou quoi après? Attends, comment? Putain, je dois avoir une gueule de cul. Attends, attends, fais voir. Non, mais sérieux, attends, attends, je vais aller me voir un peu la ganache que j'ai, un peu la tronche. J'ai pas une face de poisson pané un peu? Non, ouais, ça va. J'ai la tête du matin, mais ça va. Ça passe. Ça passe. On ferait un petit ravalement de façade entre temps. Hein? Bon, alors. Ah, mais Anto, il m'a dit quelque chose, Anto. Je t'adore. Je crois que je le connais, Anto. Tu me l'avais. C'est pas toi qui me l'avais présenté, ou non? Ou c'est un ami en. Attends, attends, j'arrête ma diffusion, parce que j'arrête ma diffusion, hein, je vais. Ah, je vais faire mon tour, là, c'est presque moins 20, moins 10. Oui, bon, attends, je te laisse, hein. Je vais faire ce que je viens de marquer, les gars, et pas ta connexion après. Je vais diffuser dessus après ma première, après quand je vais. Bon, allez, moi je vais, puis en plus, j'ai mes gens, en plus, je dois faire mes gens, en plus. Mais comme c'est bien fait, c'est quoi cet effet que t'as fait, là? Hein, quoi? C'est pas mal, ça. Ah, sur OBS, bah, c'est là que je diffuse, c'est OBS qui me permet de diffuser. C'est OBS. Non, mais c'est un effet. C'est bien fait, ça. ABS, ah, c'est ça. OBS. Ouais, bah, là, OBS, c'est. OBS, c'est. Pouf. Je crois. Du lourd MDR, ce stream. C'est une jungle, c'est une jungle. Ah, putain. Il a dit que c'était du lourd, du lourd. Le stream. Il a dit. Ouais, oui, du il... lourd. Bon, attends, je vais là, moi. Bah, je vous laisse, hein, parce que là, moi, en plus, j'ai fait une en plus. Attends, on part pas de suite, on s'envoie du chat, on part pas de suite, attends, deux petites secondes, merde, salut les gars. Yes. Ça va ou quoi, les gars? Yeah, avec des gars. Bah, pendant que vous parlez, moi, je vois si le fatal est passé, hein. Je vois si le fatal est passé, hein. Oui, va voir. Hey. Ouais, je sais que tu as tes habitudes aussi, tu as tes trucs à faire, toi. Moi, de toute façon, qu'est-ce que je fais, moi? Je quitte la codiffusion. Eh oui. Eh oui, parce qu'en plus, là, je suis sur Twitch, moi. Je sais pas, c'est mes premiers pas, il y a marqué, là. Préparons votre stream. Il y a marqué. Je contrôle du bout des doigts. Non, le contrôle du bout des doigts. Télécharger l'application mobile pour iOS. Ah! Bon, ça. Salut. Ah oui, ah, mais il parle en Anto, il parle pas à moi. Mais écoute, pas grave, de toute façon, je cherche pas des amis. A plus, les gars, ciao, je me casse. Sur Twitter, c'est quoi le mot de passe? Quel est votre mot de passe? Oui.
Fortnite. Ouais. Il y a une mise à jour. Bon, les gars, BF5 pour ma part. Ouais, moi j'ai la démo. Est-ce que tu m'entends? J'ai l'e access et j'ai la démo de. Bon, me revoilà moi. Hein, je peux la démo là. Pendant 10 heures. Hein, oui. Ouais. Par contre, là, je vais vous laisser, les gars, parce que par chez moi, le sang est couvert. Je sais pas si ça va se métaphoser. Ah. Ah, merde. Eh oui. D'accord. Ouais, bah ici, fait beau, mais... Enfin, fait beau. C'est mi-figue et mi-raisin, quoi. Ouais. Tu diffuses la Redeyes. Bon allez, moi les gars, je vous laisse, hein. Je vais faire mon petit tour. C'est un pote à toi ou quoi, Bévi, Redeye? Oui, c'est un gars que j'ai croisé hier ou avant-hier, je sais plus. Je sais plus, avant-hier, ah, je crois. Ben, je vais m'abonner à sa chaîne. Oui, bah vas-y, abonne-toi à ta chaîne. Moi, je vais faire mon tour, hein. Je vais faire mon petit tour. Je reviens après, je vais faire un tour comme petit cas. Et puis voilà. Bon allez, moi je vous laisse les gars, Anto, je te laisse. Redeye, je sais pas si encore, bah, ouais. Bah, parti. Allez, je vous laisse, peut-être une prochaine. Plaisir pour la petite adore. Allez. Ça marche. Ciao. Ça va, allez. Ciao. À tout. À ciao. Ciao. Allez, tac. Allez, on arrête le stream. Hop. Tac.